j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec M. Allô! On s'en va dans un chalet, fait que je me suis dit que j'allais vlogger et que ça allait être cool. On s'en va pour Ballard, pour mon stage, on s'en va dans un chalet stratégique, fait que je ne connais pas le planning. C'est genre comment il va expliquer ça? Non, vas-y. C'est ça. Elle a booké un chalet avec moi et Magali, qui est l'autre employée de Ballard, là, qui s'occupe plus de la logistique. Puis la. Ouais, fournisseur et tout. Fait qu'on s'en va dans un chalet pour parler de l'avenir de Ballard, des prévisions à long terme. Puis c'est pas mal ça, brainstorm d'idées. C'est bon, ce que je dis? Oui, ça fait c'est pas sens. Pire, hein? C'est juste que je ne connais pas le planning, puis Emma nous l'a pas dit, c'est une surprise. Fait que là, on s'en va à Mont-Tremblant. J'ai monté tantôt, comme vous avez vu, à Montréal. J'ai pris l'autobus parce que sinon, j'étais trop stressé de prendre mon char. Fait que c'est ça, là, on a été chez Emma un petit peu. Puis là, on est en route, on arrive dans à peu près exactement 14 minutes. C'est quand même très sucré aussi, là. Oui. Ouais. Vous attendez que ça soit moins sucré? Ben, j'avais aucune idée d'enfant. C'est quand même fort, hein? Mais c'est bon, non? C'est genre deux types de fort. Fort de café, puis fort d'alcool. Oui. Bon, hey, salut la gang. On est un petit peu plus tard, là. Je parle pas trop fort, parce qu'il est bien parti se coucher, puis Marc est dans le salon. Il est genre 10h. On s'en va se coucher. Ça a quand même été une grosse journée, vous veux pas, là. Genre, moi, je suis parti depuis quand même tôt. Fait que là, je vais me laver, hein. Je trouve que se laver avant d'aller se coucher, c'est comme le meilleur feeling que je veux. Je suis dans parce que, genre, comme je l'ai montré. En fait, je sais pas si je l'ai montré. Je pense que c'est sur TikTok que je l'ai montré. Il y a genre déjà plein de produits. Je m'étais amené plein d'affaires, mais finalement, j'en aurais pas besoin, là. Genre, j'avais vraiment amené ma trousse comme si je partais en voyage, là. Bon, j'avais mon débattant, puis il m'a utilisé. On en avait pas, mais comme j'ai amené mon shampoing, j'ai amené comme plein d'affaires. Mais il y en a. C'est la compagnie Unscented. Je pense qu'ils ont passé au Drago. En tout cas, qui sont déjà dans la douche. Fait qu'il y a genre le body wash. Il y a genre le shampoing, le conditionneur, tout. Fait que c'est cool. Puis regardez comment elle est belle, la petite. Salle de bain. Bon, là j'ai genre mes affaires ici pour me laver, mais... Fait que demain, c'est ça, va être une journée de brainstorm, de voir l'avenir de Ballard, où est-ce qu'on en est. Je dis on, mais comme pas ma business, vous comprenez, mais où est-ce qu'on est dans l'entreprise. C'est quoi nos rôles, qu'est-ce qu'on veut plus dans l'entreprise, c'est quoi la vision pour les prochaines années, autant stratégique de contenu, que le développement produit pis tout, là. Fait que ça va vraiment être cool. Et bien, là, préparer des petits ateliers. J'ai vraiment, vraiment hâte, là. Ça aussi, c'était le fun. On a fait un petit atelier. C'était un jeu qu'Emma l'a acheté. La compagnie Meilleure, qui est un jeu, une compagnie qui font comme un petit peu des jeux pour apprendre à se connaître et tout. Un petit peu à la Real Not Really Strangers. Puis là, c'était un en mode business. Genre des questions, genre qu'est-ce que t'aimes le plus de l'entreprise, c'est quoi ton rôle, que t'aimes le plus, qu'est-ce que t'aimes moins et tout. C'était vraiment cool. Fait que sur ça, je m'en vais me laver. Puis après ça, je vais sûrement relaxer un petit peu dans ma chambre. Je sors de la douche. Je me suis dit que j'allais un petit peu vous montrer ma chambre avant de me coucher. Il y a trois chambres ici. Il y en a deux avec un lit double. Slash queen, là, en tout cas, je sais pas. Puis une chambre avec deux lits simples. Moi, je me suis proposé à prendre un lit simple. Vu que je bouge pas vraiment quand je dors. À part quand mon chum est là, parce que lui, il bouge tellement. Mais moi, tout seul, c'est parfait. Il y a la porte, il y a genre deux lits ici. C'est assez simple, là. Fait que c'est ça. Une fenêtre là, une fenêtre là aussi. Bon, mes bagages, fait que je vais dormir là. On va être bien cosy. La gang, hey, je me souviens même pas si je vous ai parlé aujourd'hui. Hey, on était un petit peu plus tard, là. Il est quand même rendu, je pense, il est à peu près 4 heures. Là, moi, je suis tout seul dans le chalet. Il y a Mag qui est là-bas dans le spa. Là, moi, je trouve qu'il fait bien trop fait. Il y a aucune chance que j'aille dans le spa de même. Là. Je suis frigorifié. Genre, il fait comme 23, puis je suis gelé. Parce que moi, je suis pas habitué à ce qu'il fasse froid. Non, même, j'aime ça quand il fait genre 27. Moi, je suis vraiment un gars d'intérieur. J'aime ça quand il fait pas trop froid. Là, on va recommencer bientôt à un nouvel atelier. C'était super intéressant. Ce matin, on a comme fait un atelier, puis un brainstorm, tout.
tout ce qui était par rapport au réussite de l'entreprise, qu'est-ce qui va t'améliorer pour la prochaine année. Puis sinon, là, on vient juste de finir un atelier qui était super cool. Sur un carton, la bande a comme tout parlé de la mission, la vision, la valeur de l'entreprise. Donc, pour Ballade, c'était quoi les objectifs qui en découlent. Puis on va comme plus être dans, genre dans le concret. Merci. Oh, c'est correct. On vient de finir la gang, la journée. Ça a full bien été. On est brûlés. Mais comme on dit, c'est un autre type de fatigue. C'est une fatigue plus mentale que physique. Parce que techniquement, on n'a pas bougé beaucoup. T'sais. Fait qu'on va se servir avec une petite boisson. Norwa. Une petite canette. C'est ça, je me suis dit, non, arrête-toi. J'étais même. Ouais, c'est ça, j'étais comme. Pourquoi en sort? Bref. Puis ça, c'est ta carte. Ça, je regarde pas ça. Ouais, ça, c'est ta carte que tu joues avec. Tes cartes jouées. Fait que je peux tout le garder. Mais. Oui, mais s'il y a déjà le 2, tu vas pas le mettre. Mais quand il y en a 4 de partie. Mais c'est de 1 à 2 ce qu'il faut faire. Yummy, c'est tout le monde qui a fait. Trop bon. C'est des pâtes au saumon avec du. Des épinards, c'est ça. Oui. Ouais. Une sauce au vin blanc. Une sauce au vin blanc. Hello la gang, bon je suis de retour chez moi, comme vous voyez je suis complètement exténué. Veux pas, c'est quand même brûlant des journées où est-ce que t'es comme tout le temps avec du monde pis tout, t'as comme pas genre de pause, t'as tout seul. Même si genre c'était vraiment le fun et tout là, mais genre je pense que vous comprenez. Fait que c'est ça là, j'ai pris l'autobus, ça a pris comme 2 heures là, après j'ai repris le bus de la Wellington à Sherb, la rue, pis je suis venu ici. En tout cas, je suis complètement épuisé. J'ai tout défait mes bagages live, je vais souper là, j'ai comme pas grand chose à souper, mais je m'étais acheté de quoi là à la gare, un petit genre rap. Avant d'aller souper puis prendre ma petite soirée à moi, je voulais vous montrer, avant d'aller à ça là, on est jeudi, j'ai plein d'amis qui sont au bar en ce moment, puis on dit que j'ai vraiment le FOMO de pas être au bar en ce moment. Genre si je m'écoute, ça me tente zéro d'être au bar en ce moment, mais on dit que j'ai le FOMO. Oh, c'est Be Real, on va le faire ensemble. Fait que c'est ça, avant de continuer ma petite soirée, je vais vous montrer qu'est-ce qu'Emma nous a donné. Elle nous a fait un petit sac surprise avec des petits cadeaux pour moi et Mayali, c'était vraiment cool. De un, on n'a pas parlé de Café Ballade évidemment, elle m'a donné un petit sac. Puis elle a aussi donné pas mal la même chose à Mag, là. Ça varie un petit peu, mais bon. 100 grammes du café Bon Matin, je l'ai déjà ici, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que mon préf de Café Ballade, c'est le Kenya. J'ai pas goûté à tous les cafés, mais à date, eux que j'ai goûté, mon préf c'est le Kenya. Le rose, l'emballage rose, c'est vraiment mon préféré, mais le Bon Matin aussi est excellent. En parlant de café, elle nous a aussi donné un petit sachet de la compagnie Chamberlain Coffee. Vous connaissez probablement ça, là, c'est la compagnie de café à Emma Chamberlain. Puis ça, c'est pour faire, en fait, c'est comme un sac de café en poche, comme pour être on the go et tout. Donc, autant pour faire du cold brew que du café chaud. J'ai vraiment dû goûter. Moi, j'ai déjà goûté au café Chamberlain. Je le trouve vraiment bon, honnêtement. Je l'ai ici. Je l'utilise moins parce que là, j'ai du Ballade, fait que j'utilise ça. Mais quand je l'ai plus, j'utilise le Chamberlain Coffee, qui est super bon aussi. On m'a donné une petite bougie comme ça de la compagnie de Laura Glamour. Laura Moy, qui est une YouTuber ici. Puis, elle m'a donné cette chandelle-là, la Candy Shop. Elle est vraiment belle. Il y a des petits bonbons en petite forme de gummy bear, puis bref. Ça sent genre les bonbons, je sais pas trop c'est quoi les... Ah, il marque pêche, fraise, vanille. Ça sent super bon, puis elle est super belle aussi la bougie là, en espèce de céramique. Je sais que c'est elle qui l'a fait avec la cire de soya, fait que j'ai vraiment hâte de la tester. Elle m'a donné un petit produit comme ça de la marque Skin Proud que je ne connais pas, qui est un tonique à l'acide lactique. Puis elle m'a dit qu'elle m'a donné ça parce qu'elle trouvait que ça fitait avec mon esthétique. Puis je suis quand même d'accord là, je commence qu'elle va dire comme toute rose et tout. Ça va donner un petit autre pad comme ça de la compagnie Novembre que j'ai déjà eu. Ça fait mal à la job là, c'est comme pour noter des choses. Encore une fois de la compagnie Laurent Moore Création, comme ça, qui est la même que la bougie. Un petit café qui est marqué Candy Nut Ice Coffee. More espresso, less depresso. Fait que je le trouve vraiment beau. Puis ça fit avec moi vu que je bois juste du café glacé. Dernière affaire que j'étais vraiment content, c'est le journal comme ça de E-Influence, qui est le Work Smarter Not Harder, un journal d'équilibre. Honnêtement, il est plus petit que je pensais. Je pensais qu'il était plus gros que ça. Mais en gros, c'est de la compagnie E-Influence. Puis c'est comme pour mettre un petit peu des goals, le top 5 de tes priorités, c'est quoi tes to-do personnel, mindset et tout. Vraiment comme développement autant personnel que professionnel. Fait que j'ai bien hâte de l'utiliser. Je voudrais que je suis moins type papier, mais j'aimerais ça commencer à être plus papier. J'aime vraiment ça. Ah, c'est pas tout. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Elle m'a aussi donné un petit format du masque la neige aux pommes caramel, je crois. Ouais, pommes caramel que j'ai déjà. Fait que c'est ça.
Bon matin tout le monde, on est, ben je dis bon matin, il est à peu près comme 10h30, fait qu'il n'est pas tard le matin, oui, mais pas trop tôt. On est le lendemain, on est vendredi, j'ai une bien excitante aujourd'hui, je m'en vais voir Charlotte Cardin, je pense pas que je vous l'avais dit, mais c'était mon cadeau de fête de la part de Samy, elle avait acheté des billets pour que j'aille voir Charlotte Cardin. Moi je suis vraiment pas un fan de musique dans la vie, ok, vraiment pas. C'est rare que j'écoute de la musique, je vous dirais que quand je suis en auto, je suis vraiment bizarre, mais je n'écoute pas de musique, j'écoute ça des podcasts, j'écoute la radio, moi j'adore ça. C'est une des artistes que j'aime vraiment beaucoup, c'est Charlotte Cardin, quand je sais pas quoi écouter, puis j'ai goût d'écouter la musique, c'est toujours elle que j'écoute. Mais là, avant, on s'en va à Montréal parce qu'on s'en va chez Cossette, l'agence de publicité Cossette. Pour ceux qui travaillent en marketing, admin ou peu importe, vous connaissez probablement Cossette, là, c'est genre une des plus grosses agences au Québec. Fait qu'on s'en va là, là, ils donnent une masterclass pour les gens des jeux de la com. Fait qu'il y a des épreuves de pitch qui vont là, notamment création de festival, développement télévisuel, je crois, balado, campagne numérique, puis moi j'y vais. En fait, moi je fais émission Madison, comme je vous ai déjà parlé, puis j'irai pas nécessairement vu que ça me concerne moins. Mais j'y vais parce que je m'en vais voir Charlotte puis je monte avec Samy. Fait qu'en tout cas, ça va être vraiment cool. Je vais partir dans à peu près comme 30 minutes. Je vais aller chercher une de mes amies avant. On s'en va chez Samy parce que c'est Samy qui conduit. Puis après ça, on monte à Montréal. Masterclass, on va vraiment aller super à Montréal, moi et Samy. Puis après ça, Charlotte. Fait que voilà, là je vais me maquiller, je vais me préparer parce que je suis pas prêt. Parce que je sais que j'ai pas rapport. Ben, c'est normal. Mais... Bon, regarde, on est vraiment à Montréal. On est arrivé sur l'île. Ça fait un calvaire trouver le parking. Est-ce que vous êtes à l'eau, là? Bonjour! On est encore dans une meeting d'affaires. On est vraiment juste trois étudiants à l'UDF. On a essayé de mettre ça. Trois pauvres! On a essayé de mettre ça. Comment qu'on est rendu dedans? On est comme dans la perte du live. C'est un gros live! Hello, hello! Salut, hello. Amis! Toi, ton but, c'était de foncer dans le voiture en avant qui est pareil. On est présentement, on vient de finir la masterclass de Cossette, c'était full intéressant. Hey, moi je capote. Ouais, vraiment, c'était full cool. Samy tabarn. Non, mais pour elle, c'est un problème là, on est collé. Hey, c'est vraiment pas super. Chris, c'est juste qui m'a freiné sec là. Fait qu'on arrive dans 5 minutes à la place Belle. Nous, on a comme vraiment pas pensé à réserver une place pour aller souper. Genre, on va aller manger des sushis, on a pris un resto de sushis qui est genre à 4 minutes. Ben, on a pas de place. Mais c'est parce que le bout du souper, c'était comme trop loin dans notre. Ouais. Nous, on avait comme la masterclass, on pensait pas à ça. Nous, on pensait que ça venait de ça à 5h, c'est finalement ça, genre finit à 5h30. En tout cas, bref. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on va essayer de trouver une place à souper. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a la police? Genre. Mais penses-tu que c'est à cause de. C'est pas Céline, là. Mais penses-tu que c'est à cause de Charlotte? Ben, je sais pas, mais c'est pas Céline, là. Genre, il y a comme du monde qui font de la circulation. C'est parce que nous, on a pas souper, puis le show, il est vraiment bien. Oh! Il est dans une heure. Ben, il est à moins d'une heure, là. Check, ça dit 39. C'était censé être 21. Gel, mais genre la place Belle est foulée juste là. On vient d'aller chercher une petite pipe, mais en fait une grosse pipe. C'est moins fancy. Ouais. Nous, on voulait aller manger des sushis finalement, ça va être vraiment une piscine et un gars. Ça va être délicieux. C'est où là? Ah, mais regarde, Kim là, à gauche. On est vraiment fancy là, sur le bord de la salle là-même. Bonjour, bonjour! On sort du show, c'était formidable! C'est vrai que j'utilise ce mot-là, c'était vraiment bon pour vrai. J'ai trouvé ça bon, à mon jeu, j'avais invité à aller. Mon rêve! C'était vraiment bon pour vrai. Honnêtement, tu donnes une note de combien sur 10, Samy? Je donne une note de 12 sur 10. Ouais, 10 sur 10 pour vrai, c'était excellent. C'était fucking. Elle danse tellement bien, Charlotte, là. Non, genre, mais tu sais, Charlotte, c'est genre une performer, genre. Ouais. Elle est bonne dans tout. Elle est bonne en danse. Oh, c'est elle bonne avec complète. Le, elle est bonne avec le public. Moi, j'aime ça, moi. Bien. J'aime ça, moi, quand genre les artistes, ils nous. Elle est excellente. C'est. Et je l'aime. C'était vraiment, vraiment bon.
fait que on vous recommande. Puis là, à un moment donné, vous avez vu, il y a eu plein de confettis. C'était, on en a même une dans la confetti! J'avais pas catché! Sur confetti, moi? Ouais! Okay. Mais c'est parce que là, j'étais genre, c'est la dernière. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, mais vraiment, c'est confetti. J'avais pas catché. Ouais, mais en fond, c'est vraiment. Donc, pour célébrer ça, on va s'ouvrir une petite Red Bull. La abricot strawberry. Mais tu dormiras pas, Kevin. Abricot, moi, ça me fait absolument rien, ça. Ouais, mais c'est le gros chèque à 2h du matin. Ben non. À 2h, on sera pas arrivé. Il est vraiment 11h. C'est vraiment un problème de trafic live. Ok, tchuss! Hello, hello, la gang! Bon, ça fait un moment que je vous ai pas parlé. On est mercredi. Là, c'est la Saint-Valentin. C'est pourquoi j'ai mis mon petit chandail rose aujourd'hui. C'est la première fois que je célèbre la Saint-Valentin de toute ma life. Je pensais pas filmer, mais je me dis que j'allais filmer tout ça parce que je trouve ça quand même cute. Puis tantôt, j'étais allé au Dollarama. J'ai acheté plein d'affaires. Moi, puis on se fait une petite soirée ce soir. Il finit travailler à 8h. Moi, je voulais peut-être aller au resto, mais là, c'est s'il finit travailler à 8, il va arriver ici à genre 8h. Il va être rendu quand même tard. Fait qu'on se fait une petite soirée juste ensemble, les deux. J'ai vraiment hâte. Moi, c'est la première fois que je la célèbre en couple. Fait que je suis bien excité. Puis je suis vraiment quétaine. C'est ça que je disais là à Marc tantôt. J'étais comme, je suis vraiment la définition du genre de personne que avant, là, quand j'étais célibataire, je regardais puis je jugeais. Là. Pas jugeais, mais comme, moi je pensais pas être quétaine dans la vie. Puis finalement, je me rends compte qu'avec Fred, je suis fucking quétaine. Puis on est vraiment quétaine, ok? J'ai acheté une coupe d'affaires. Je me suis dit que j'allais vous les montrer. Puis je me suis pas me donner un bon défi. C'est de cuisiner ce soir. Vous savez que je ne cuisine vraiment pas tant. Je suis pas très bon. Je suis pas un fan de cuisine. Puis là, je me suis quand même donné un objectif. Pour moi, c'est quand même un objectif parce que je cuisine pas souvent. Je vais faire du tartare ce soir. J'ai acheté déjà des trucs de saumon déjà fait, un petit peu comme à la Miss Sushi à la maison, mais c'est pas du Miss Sushi, c'est la marque Grizzly qui font comme du saumon fumé et tout. Fait que c'est ça, j'étais allé au Carrefour tantôt pendant ma pause dîner, je voulais comme acheter un cadeau à Fred, de quoi de cute, mais il y avait rien. Genre, il y avait juste des trucs de Pâques, mais comme je m'en crise de Pâques là, j'envoie le Ross et Cor tantôt pour acheter du chocolat. Puis la fille elle me dit, là je comme là elle me dit ah, je peux t'aider, je t'ai de quoi pour la Saint-Valentin, ben t'es ben trop en retard. Je suis comme girl, tu vas te calmer. Elle était pas une bête. Il y a personne qui va t'acheter rien de Pâques live là. Fait que j'ai l'eau de l'eau, puis je me suis dit que j'allais préparer une petite table. C'est vraiment quétaine, je vous avertis. Une petite table genre de Saint-Valentin, vraiment cute. Où est-ce que je vais faire un tartare? Oui, je sais. Des assiettes en cœur. De un, on n'aura pas besoin de faire de vaisselle, c'est mon rêve. Fait comme ça. Je me suis fait ma vie en rose, comme je vous ai dit. Des petits napkins en cœur. Ok, j'ai acheté des pailles comme ça pour pouvoir boire. Je sais que c'est quétaine, mais moi je trouve que c'est cute. Un petit toutou marqué je t'aime. Petit son que je vais mettre sur la table et tout quand ils vont rentrer dans l'appartement. Des petits chocolats comme ça. C'est vraiment plus l'intention qui compte, mais genre c'est con, mais genre tout ça, ça m'a quand même coûté une trentaine de dollars pour des niaiseries. T'sais. Des petits trucs de cœur que je vais mettre avec d'autres trucs de cœur. Des cœurs à la cannelle. Je sais pas si Fred aime ça, mais moi j'adore ça. Puis des Lindor. Fait que voilà. Puis sinon j'ai acheté des trucs pour faire à souper. T'sais, c'est quand même beaucoup de choses qu'on n'avait pas nécessairement. Ça va être mon petit coin de cadeau. Ah, je me cringe. Je regarde pis je trouve ça tellement quétaine, mais en même temps je trouve ça cute. Fait qu'on va assembler le tartare ensemble. Ah, ça va être lui qui est là. Asti, il peut pas arriver. Non. Mais regardez comment c'est cute. On fait le tartare. Fait que j'ai pas d'affaire à tartare, fait que j'ai comme un affaire de même que je vais venir comme faire un tartare avec, genre pour que ça soit cute. Ah, pas pire. Mon rêve. Tadam! Voici l'affaire la plus quétaine que j'ai jamais faite de toute ma vie. Mais je l'assume et je suis fière. Fait que, petit chocolat qu'on vous a montré, le tartare il est tellement bien réussi. Puis j'ai goûté, il est full bon. J'ai fait des frites avec ça aussi. Des petits ça. Ça c'est juste du mou de pomme, mais je trouvais que la petite pomme c'était mignon. Hello! Bonjour! Je vais en faire arriver, on a mangé. T'as-tu montré ce que tu manges? Oui. Manger, c'était super bon pour un homme qui ne cuisine. Non, je cuisine jamais. Pas dans la vie. Mais c'était très bon. Des très grosses portions. Ah ouais? J'ai donné son cadeau. Moi, c'était un. Mon cadeau, c'était un moment. C'était toute la soirée, vraiment. Déjà qu'elle cuisinait. Un exploit. Fait que voilà, là, on s'enligne pas écouter un film. On écoute quoi? Je sais pas. Fred aime pas les films. Non, j'aimerais mieux qu'on écoute une série. Moi, j'aime mieux les films parce que quand tu commences, c'est fini après. Donc, on vous souhaite une belle soirée et on se voit. Bientôt. We can be friends if you wanna. We can just talk if you wanna. We can hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do.